Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Ça dépend de là où vous vous trouvez. Si vous êtes à l'autre bout du monde où il fait nuit, c'est bonsoir. Si vous êtes quelque part vers ici où il fait jour, c'est bonjour. Recevez Ramzy le Dinré pour un nouveau numéro de l'émission Fafa. Alors, je suis aujourd'hui avec Max Mello, le roi Louis XIII. Yeah, ouais, monsieur Ramzy le Dinré. Bonjour famille. Très bien, ça va, non? Ouais, ça va, tranquille chez toi. Ouais, on est là, ça va, Dieu fait grâce, non? Voilà, super. On va rentrer directement, on va taper dans le mille. C'est qui Max Mello? Parle-nous un peu de toi. Ouais, Max Mello à l'état civil, c'est Okolui Ephraim, connu sous le pseudo de Max Mello, qui veut dire maximum de mélodie. D'accord. Je fais de la variété, voilà. En quelque sorte, ça se résume ainsi. Hein. Ouais. Tu fais de la variété. Contrairement à certaines personnes qui t'ont connu avec le titre Anita, qui croient que voilà, tu as préféré exceller dans le milieu de la rumba, alors qu'il n'en est rien. Tu fais de la variété dans l'ensemble. Je fais de la variété. C'est-à-dire que tu es capable de faire toutes sortes de musique. Tranquille, non. Ok, c'est super. C'est super. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es venu à la musique? La musique, pour moi, il faut dire qu'elle est innée. D'accord. Voilà, elle est innée depuis le bas âge. Mm-hmm. C'était ce que j'aimais faire. Voilà, je chantais, j'ai commencé à chanter sans savoir que ça allait devenir un métier. Mm-hmm. Mais moi-même, j'aimais la musique. Mm-hmm. Donc, je la pratiquais comme ça. Mm-hmm. Sur la boîte des tomates, au quartier, mm-hmm. tout ça. Et puis après, le rêve a commencé à devenir une réalité. Mm-hmm. À quel moment le rêve a commencé à devenir une réalité? Bon, il faut dire qu'en 2006, mm-hmm. moi j'ai commencé dans des groupes, hein, dans des groupes musicaux. Mm-hmm. Voilà, en 2006, j'ai intégré des groupes musicaux. En 2007, on avait sorti un album. Mm-hmm. Alors, on a tourné un peu. Après, je suis entré à l'école de feu, notre maman, Marios Guiraud. D'accord. J'ai fait une petite formation là-bas. Je travaille mm-hmm. aussi avec la grande chanteuse Santé. Mm-hmm. Je travaille aussi dans une école de percussion. Mm-hmm. Et puis, bon, en 2010... Mm-hmm. J'ai décidé comme ça d'entamer une carrière solo parce que je sentais qu'il y avait quelque chose que je devais tenter pour voir. Mm-hmm. Voilà. Super, super, super. Alors, je vais te poser une question un peu indiscrète. Je remarque que tu es non-voyant. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, peut-être pas forcément en long et en large, mais est-ce que tu peux nous expliquer si tu es né comme ça ou si c'est une situation de la vie qui est intervenue pour que ça soit cette situation? Je suis très content que vous me posiez cette question mm-hmm. parce qu'aujourd'hui ça fait une polémique. Mm-hmm. Plusieurs personnes se posent la question, d'autres disent que je suis né comme ça. Mm-hmm. Voilà. Mais il faut dire qu'à la base, je ne suis pas né comme ça. D'accord. Voilà. C'est à l'âge de 5 ans que tout a commencé mm-hmm. quand j'étais dans la commune d'Aniama parce que c'est là-bas que je suis né. D'accord. Voilà. Et à l'âge de 5 ans, j'ai senti les alertes d'une rougeole. Qui D'accord. commençait à s'attaquer à ma tête. Mm-hmm. Et là, nous sommes allés à l'hôpital. Et suite à des injections mm-hmm. que j'ai reçues dans les yeux mm-hmm. par l'incompétence des médecins, D'accord. si je peux m'exprimer ainsi. Vas-y, 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 c'est pas fort. Voilà. Mm-hmm. Et nous étions au CHU de Cocody mm-hmm. quand le mal avait commencé à s'aggraver. Nous avons passé des radios, nous avons vu que c'était la rougeole qui mm-hmm. fatiguait la tête. Mm-hmm. Donc, les médecins ont promis soigner mm-hmm. l'œil pour que je puisse mm-hmm. me retrouver. Mm-hmm. Voilà. Et puis, pendant le traitement, il y a un médecin qui m'a fait une injection qui a atteint mes yeux. D'accord. Alors... Il a fait une injection dans les yeux, c'est ça? Oui, oui. Mm-hmm. D'abord, ça a commencé par abîmer l'œil droit. D'accord. Voilà, vous voyez le noir de l'œil là, c'est ce qui mm-hmm. permet, c'est ce qui permet à l'œil de pouvoir fonctionner. Mm-hmm. Or, le jour où il a fait les injections, mes parents ne savaient pas, mm-hmm. puisque j'étais en urgence mm-hmm. et les parents n'avaient pas accès à moi. Mm-hmm. Donc, on est rentré à la maison. Quand nous sommes arrivés à la maison, la nuit, la maman a constaté que l'œil coulait. Mm-hmm. Donc, elle enlevait les bandes parce qu'on me mettait des bandes à l'époque. Mm-hmm. Et elle a enlevé les bandes, elle a constaté que l'œil avait été touché, que le noir était abîmé. Mm-hmm. Donc le lendemain, nous sommes retenus à l'hôpital avec mm-hmm. le vieux. C'est l'intention de voir le médecin qui a fait mm-hmm. l'injection la veille. Mais il a fui. Les collègues ont dit qu'il n'était pas venu au travail. Ils n'ont pas dit aussi son nom. Après, nous avons fait les défilés plusieurs fois. Ils ont refusé de nous montrer ce dernier. Alors bon, mon papa s'est fâché. Mm-hmm. Il a dit que tant qu'il ne voyait pas aussi ce médecin-là n'allait pas mm-hmm. restituer le reste mm-hmm. de l'argent qu'on devait payer pour la salle. Mm-hmm.
Et aussi, bon, j'ai bloqué tous mes papiers qui sont restés finalement au CHU. C'est quel hôpital? CHU de Cocody. C'est au CHU de Cocody. Oui. Ok, donc ça veut dire que le CHU de Cocody, normalement, tu dois demander réparation. Parce que c'est au CHU de Cocody qu'en temps normal, ils t'ont rendu non-voyant. Bien sûr. C'est eux qui t'ont rendu non-voyant. C'est vrai que peut-être que tu n'avais pas, été vacciné peut-être contre la rougeole quand tu étais peut-être tout bébé. Mais quand un problème comme ça arrive, le médecin, son devoir, c'est de soigner. Si tu ne sais pas soigner, tu laisses. Bien sûr. Voilà, c'est, ça ne sert à rien de faire un traitement que tu ne maîtrises pas et qui va aujourd'hui gâter, on peut dire, gâter la vie de quelqu'un qui est obligé de vivre avec ça toute sa vie, en fait. Bien sûr, parce que sans toutefois vous couper, quand ça a commencé, au départ c'était dans les hôpitaux dernièrement qu'on allait, mais c'est parce que les médecins là-bas ont constaté qu'ils n'avaient pas les compétences qu'ils nous ont demandé d'aller au CHU de Cocody. Donc, arrivé au CHU de Cocody, moi je pense que même s'il y avait un traitement qui n'était pas possible là-bas, on pouvait nous dire la vérité. Bien sûr, bien sûr. Aussi, si le mal a été fait, il n'y avait pas moyen pour que le médecin s'enfuit. Bien mais sûr. Il pouvait plutôt... Voilà, se présenter puis dire comment les choses sont passées pour que ça on arrive à là. Voilà, donc vraiment ça m'a fait mal parce que rien n'a été fait pour défendre ma cause. Pas parce que je voulais forcément qu'on me restitue quoi que ce soit. Peut-être que c'était la volonté de Dieu. Voilà, c'était pas là que je devais passer. Non, mais je veux dire que si ça avait été dénoncé, je pense que plusieurs personnes allaient s'en sortir. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais moi je pense que il faut que en Afrique on arrête de tout ramener à Dieu, en fait. Voilà, moi je pense que le monsieur a été incompétent. C'est pas sa faute. Bon, on va pas créer une sorte de mélancolie. Mais s'il a commis une erreur au nom de CHU de Cocody, le CHU de Cocody doit payer les réparations. Ça c'est quelle logique. Il n'y a pas à faire des. Comme on dit en Côte d'Ivoire, non, c'est Dieu qui l'a voulu. Tu te lèves, ton voisin est là, tu sors avec la fille de ton voisin, tu l'enceintes. Demain, ils vont s'asseoir pour dire non, c'est Dieu qui a voulu. Comment c'est Dieu qui a voulu? Tu t'es levé pour aller enceinter la fille de ton voisin et on va dire non, que c'est Dieu qui a voulu. C'est ça le problème, en fait, de nous, les Africains. Mais moi, je pense que tu as bien fait de dire le nom de l'hôpital, tu as bien fait de... Bon, c'est vrai que le médecin, tu connais pas son nom, mais je pense que le CHU de Cocody, ils vont regarder cette émission, ils vont te contacter parce que il faut que cette histoire-là soit réglée une bonne fois pour toutes. Voilà. Tu étais dans un groupe, après tu as décidé de faire carrière solo et tout. Comment ça a été les débuts de la carrière solo? Ce n'était pas facile, puisque je ne maîtrisais pas le terrain. Vous savez que le showbiz, c'est un milieu qui est très vaste. Donc, je ne maîtrisais pas le terrain, je n'avais personne pour me suivre et tout ça. D'abord, dans un premier temps, il fallait chercher les moyens pour pouvoir entrer en studio, faire une maquette et proposer au mélomane. Ou pour ne pas dire même au manager, afin qu'il puisse venir en aide. Voilà. Mais là encore, c'était difficile. Je me rappelle que ma toute première maquette que j'ai enregistrée, j'ai dû vendre tous mes deux petits téléphones que j'avais pour pouvoir entrer en studio. Et puis, j'ai enregistré la maquette. C'était ma première fois d'entendre ma voix de façon seule sur un CD. Un support, là, j'étais joyeux. Ouais. Ça t'a fait quel effet? Je n'ai pas dormi la nuit. Ouais, vraiment, nous étions à Cocody. Et nous sommes allés pour l'enregistrement. On arrivait à 20h sous la pluie, quand on avait été avec l'un de mes amis que j'ai salué au passage. Donc, tu peux dire son nom, il n'y a pas de souci. Petit Stéphano. D'accord. Voilà, salut à toi, petit Stéphano. Voilà, nous sommes arrivés, là, c'était sous la pluie, l'arrangeur nous a fait attendre. Et quand il est arrivé, il nous a dit, il m'a demandé de chanter. Il a commencé à chanter. Il dit, mais reprends le chant que tu viens de faire là. J'ai repris. C'était un truc qui faisait 6 minutes. Il m'a dit, mais il a dit à son gars, mais tu vois, il n'a pas de test devant lui. En plus, il ne voit pas. Mais il a tout son test en tête. Et ça l'a marqué, il a fait le morceau qu'il m'a donné. Mais quand il l'a donné, il était 2h du matin. On n'avait pas de transport pour retourner. Donc, on a dû dormir dans le salon du studio, là, avec mon CD à ma tête. J'étais couché, je priais Dieu pour que le matin arrive. Donc, comme nous, les personnes handicapées, on a cette occasion de ne pas payer le bus. Donc, le matin, nous sommes entrés en bus. Là, je suis allé proposer mon CD aux gens. Mais là encore, c'était difficile parce que personne n'a... Ça remonte à quelle année comme ça? 2009. 2009, d'accord. 2009-2010. Personne n'est croyant en moi. Avec cette maquette, mais il ne pouvait même pas arriver dans un maquis qu'on allait me laisser pour acheter. Je me rappelle qu'il y a un manager même qui a jeté un de mes CD un jour. Ah bon? Et disant que était quel bon artiste même. Et bien sûr. Et ça, c'était où ça? C'était à Yopougon ici, dans un maquis. En fait, on est allé prester. Il nous a fait asseoir de 21h jusqu'à 1h du matin pour qu'on puisse jouer. Quand on a fini, on n'a même pas eu l'argent.
Ouais. Donc, on lui a dit, ah, s'il vous plaît, on voulait avoir le CD pour pouvoir partir. Mm-hmm. Donc, il nous a dit d'attendre. Donc, dans l'attente, mm-hmm. mon frère est rentré pour aller lui dire, ah, s'il vous plaît, comme bon, on doit rentrer, là, on commence à avoir le sommeil, tout ça. Mm-hmm. Il est sorti, il est tout fâché. Ah, c'est quel artiste même? Tiens, j'étais le CD par terre. Donc, il fallait maintenant ramasser le CD. Et puis bon, mais on ne baissait pas les bras, quoi. On a enduré plein de choses. Ça veut dire que vous, les gens de la nuit, là, vous avez qu'un problème. C'est parce qu'il n'a pas voulu dire le nom du manager. Sinon, moi, j'allais lui dire ces quatre vérités. Non, tu jettes le CD d'un artiste. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu une inspiration. C'est-à-dire qu'on dit que l'inspiration, elle est divine. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut s'élever, entrer en studio, chanter, créer une chanson. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Sinon, nos papas qu'on voit qui sont ministres, qui sont présidents de la République, là, chacun a au moins un album à la maison qu'il a chanté, puis ça est là. Ça y est, c'est pas n'importe qui. Et tu peux pas jeter le CD de quelqu'un parce que soit peut-être il est handicapé ou bien tu n'aimes pas sa chanson ou bien je sais pas. Arrêtez ce genre de comportement. Bon, le gars est en train de devenir star maintenant. Te voilà maintenant. Aujourd'hui, moi, je le cherche pour lui dire merci parce qu'il m'a donné une force de vouloir continuer. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on te dit merci pour ta sorcellerie. Mais malheureusement, son nom était passé. Ah. On te dit merci pour ta sorcellerie, hein. Merci beaucoup. Alors, Max Melo, voilà. Tu as expliqué un peu comment ça a été difficile et tout. Dis-moi, c'est quoi l'histoire d'Anita? C'est quoi l'histoire? Anita, c'est un peu le genre de fille qui est inaccessible. Mm-hmm. Voilà. Le genre de fille qui est difficile à approcher par les hommes parce mm-hmm. qu'elle aime la classe. Les hommes mm-hmm. qui sont classe, qui ont les moyens, les grosses voitures. Mm-hmm. Voilà. Et je me suis mis dans la peau des personnes qui vivent. Parce que, comme vous le savez, l'artiste ne chante que... Bon, l'artiste chante la plupart des thèmes. Mm-hmm. L'artiste chante l'histoire vécue par mm-hmm. la population. Mm-hmm. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi. Mm-hmm. Donc, je me suis mis dans la peau de certaines personnes qui vivent cette histoire mm-hmm. pour pouvoir véhiculer le message. Ah, d'accord, justement, c'est pas ta propre histoire. Non. Déjà, dans cette émission, mm-hmm. je veux dire merci. Mm-hmm. Je veux dire merci à toutes les personnes qui m'ont aidé jusqu'à là. C'est vrai que je pouvais le dire à la fin, mais mm-hmm. faut ouais, c'est mieux, voilà, n'est pas oublié. Moi, voilà. Mm-hmm. Et moi, j'ai enregistré, après mes maquettes que j'avais enregistrées, qui n'avaient pas eu de succès parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour la promo, mm-hmm. j'ai continué en 2015, j'ai enregistré des titres qui ont commencé vraiment à me révéler un peu auprès du public. Mm-hmm. Et en 2019, tout ce temps, de 2015 à 2019, j'ai participé à des concours, j'enregistrais toujours mes chansons, mm-hmm. mais là, je n'avais pas de grands moyens pour la promo, donc ça n'avançait pas en tant que tel. Mm-hmm. Et en 2019, j'ai rencontré Emile Le Chanceux, qui est l'artiste burkinabé. Mm-hmm. Emile, ouais, la famille, on le salue. Ouais. Voilà. Quand je l'ai rencontré dans un bar, il m'a dit qu'il allait m'offrir une chanson. Et vraiment, il a tenu promesse, en fait, la chanson qui était Chagrin d'amour. C'est une chanson qui est sortie avant Anita. Et à la suite de cela... Quand il dit t'as offert, c'est quoi? Il a composé pour lui donner. Il a produit, non? Il a produit, voilà. Il a produit la chanson. Parce que tu connais les Ivoiriens, ils vont dire, ah, Emile a écrit une chanson pour lui donner. Tu l'as amené en studio, mm-hmm. il a produit le morceau. Mm-hmm. Et puis, malheureusement, le morceau n'est pas vite sorti. Puis, c'était en fin 2019. Mm-hmm. C'est sorti finalement en 2020, en janvier 2020. Mm-hmm. Quand c'est sorti, on devait faire le clip en masse. Et puis, le virus a commencé à sévir, donc mm-hmm. on n'a pas pu faire le clip. Mm-hmm. Voilà. Et pendant le temps le temps où le virus était en train de faire rage, là, mm-hmm. et j'étais là et puis j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas chercher à rentrer en contact avec quelqu'un qui peut vraiment me produire, m'aider? Mm-hmm. Parce que Emile m'a dit qu'il allait m'offrir la chanson, mais lui, il ne pouvait pas être mon producteur mm-hmm. parce que lui-même, il est artiste. Mm-hmm. Et il fallait que je trouve quelqu'un qui allait vraiment rester là constamment pour mm-hmm. m'aider. Donc j'ai pensé à faire une vidéo mm-hmm. parce que je me suis dit actuellement tous les pros sont en Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Voilà, toutes les stars sont là, c'est la pandémie, donc là, tu vois. Mm-hmm. Ils sont tous rentrés. Voilà, ils sont tous rentrés. Donc j'ai fait une vidéo et j'ai décidé d'adresser ma vidéo à Mas Alain Gradel, mm-hmm. qui aujourd'hui est vraiment un père. Mm-hmm. Voilà, que je salue. Mm-hmm. Donc j'ai fait la vidéo, je balance sur ma page, je demande aux gens de partager. Mmh. Et je touche toutes les pages à côté que je peux toucher, mmh. les gens, les gars relaient, et puis, mmh. boum, un coup, ça touche le pro en question, qui est Mas Gradel. Mmh. Donc, je suis là, un matin, il y a Ogi Solo, mmh.
qui est aussi un vieux père que j'ai rencontré en 2018. Parce qu'en 2018, j'ai partagé la même scène que Fally Ipupa lors de son concert à l'INGS. D'accord. Voilà. Donc, Ogi Solo m'appelle. Il me dit, ah, mon fils, il y a Mas Gradel qui a vu une vidéo de toi. Te cherche. Et qui te cherche. Donc, il me parlait de ça et je lui ai dit que je te connais, que je t'ai croisé aussi en 2018. Que tu es un petit, tu te bats bien. Donc, il me dit, va me mettre en contact avec lui. Et il me met en contact avec Mas Gradel qui m'appelle. Je dis, mais mon petit, ça va? Il dit, oui, ça va. Ça, c'était en 2020, là, hein, en avril. Ah, mon petit, ça va? Il dit, oui, ça va. Il dit, tu sais qui te parle? Il dit, non. Il dit, c'est Mas Gradel. Ouais, mais là, j'ai crié. J'étais tout heureux parce que ouais, c'était ma première fois. Donc, après ça, il me dit, bon, ok, je te donne rendez-vous. Auguste Solo va te faire signe. Auguste Solo me fait signe. Et je me rends chez Mas Gradel. En échange, je lui explique mon histoire concernant ma carrière musicale, tout ça. Il me dit, d'accord, moi je veux te soutenir, je vais te soutenir avec une somme d'argent pour que tu puisses pouvoir te défendre. Immédiatement, je lui dis, ouais, merci le vieux. Je sais que vraiment cet argent va me faire du bien, mais je préfère que tu m'apprennes à pêcher plutôt que de me donner du poisson. Donc, moi je cherchais d'abord quelqu'un qui a confiance, qui peut avoir confiance en moi. M'aider à relever le défi en me produisant. Bien sûr. Voilà. Donc il me dit immédiatement, mon petit, vraiment tu es quelqu'un qui sait vraiment ce qu'il veut. En fait. Voilà, ce que tu es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Parce que si il était quelqu'un d'autre, il allait vouloir l'argent. Mais toi, tellement que tu veux réussir dans ce que tu fais, tu as voulu que quelqu'un t'aide seulement en te poussant un peu de l'avant. Donc à partir d'aujourd'hui, je te considère comme mon fils. Partout, je serai, tu seras avec moi. Et puis, il a commencé à me produire, il m'a mis en studio. On a commencé à enregistrer Anita. On a enregistré Anita, Anita est sortie. Et puis bon, la suite de la carrière, vous la connaissez. Hein. En tout cas, c'est super. L'histoire est très belle. Je profite aussi pour saluer Max Alain Gradel, footballeur international ivoirien, voilà, qui est mon ami de très longue date. Hein? En tout cas, merci pour le geste à l'endroit de l'artiste Max Mello. Mais mon ami, voilà, hein, on dit qu'il y a un grand cœur. Moi, depuis, il ne te voit pas. Hein, il ne te voit pas. Hein. Mon ami vient à Abidjan, il ne le voit pas. Il appelle même, c'est les gens qui décrochent. Hein. Je profite de l'antenne pour te dire, il faut faire, on se voit pas, on a des comptes à régler. Hein. Salut à toi et que Dieu t'accorde la santé. Voilà, on est ensemble. Alors, donc ça veut dire que officiellement, Mas Gradel, c'est ton producteur en fait. C'est un père. C'est-à-dire que vous avez signé un contrat de production. Au-delà de la production, juste, en fait. c'est un père. Voilà. Parce que Mas Gradel et moi, c'est le début d'une longue histoire. D'accord. Voilà, c'est le début de toute une vie. Voilà. Et vraiment, il y a Dieu dedans, quoi. C'est super. Alors, dis-moi, Anita, c'est le titre d'un album à venir ou tu comptes enchaîner aussi les singles au fur et à mesure? Oui, il y a des singles qui sont prévus et aussi un album qui est en cours. Voilà. Après Anita, il y a un single qui est prévu et puis on va enchaîner avec l'album. D'accord. Comment, au niveau de ton staff, comment ça s'organise? Parce que tu sais qu'aujourd'hui, la piraterie fatigue beaucoup les artistes. Alors, au niveau de ton staff managerial, je profite pour saluer mon ami Elfazo Pascal, qui est, voilà, le grand manager, le grand faiseur des stars. Voilà, le grand révélateur des stars, grand faiseur des stars, Elfazo Pascal. Voilà, monsieur, on l'appelle monsieur sans caméra, il n'aime pas les caméras. Voilà. Alors, comment est-ce que ça s'est organisé au niveau du staff managerial pour que tu puisses. C'est parce que la chanson est en train de décoller, la chanson plaît à tout le monde. Est-ce que numériquement, est-ce que c'est vendu numériquement sur les plateformes légales et tout ça? Bien sûr, le son est sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Et puis, il faut dire que je salue mon staff, voilà, parce qu'ils font vraiment, le staff fait un très bon boulot autour de moi. Voilà. On a Elfazo, manager, qui est ici, qui vraiment avait un bon boulot. De l'autre côté aussi, en Europe, il y a Vino l'ambassadeur. Ouais, mon ami, mon gars sûr. Vino l'ambassadeur aussi qui fait un travail colossal. Du côté du Maroc, il y a Stony qui se charge de tout ce qui est com, tout ça. Et puis, bon, il faut dire que Max Mello, c'est l'enfant de tous. Voilà, aujourd'hui, mon souhait, c'est d'être l'enfant de tous.
que tout le monde soit à la construction de mon histoire. Donc, c'est vrai, tout le monde peut être mon manager. Même vous, M. Ramzi, vous pouvez être aussi un manager pour moi. Vous contribuez à l'évolution. Non, moi, je suis ton premier fan. Non, t'inquiète même pas pour ça. Donc, c'est un peu ça. L'histoire s'écrira seule avec tout le monde. Quoi. C'est important, c'est important. C'est important. Alors, moi, je voulais te poser une autre question. Toi, en tant que personne handicapée aujourd'hui, en tant que personne handicapée, quelle action tu comptes mener plus tard pour les personnes handicapées? Pour essayer d'améliorer leur situation sociale. Parce qu'on sait très bien que, en Côte d'Ivoire, la situation sociale des handicapés n'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, en fait. Alors, toi qui as certainement vécu certaines choses et tout, dans ta tête, qu'est-ce que tu te dis demain si tu deviens une grosse star, qu'est-ce que tu pourras faire pour ces personnes-là? Déjà, la première des choses que je compte mener comme action et en faveur des personnes handicapées, c'est d'abord de changer le regard des autres envers les personnes handicapées. Qui aujourd'hui, je vais parler des personnes aujourd'hui, tu vois les personnes handicapées comme des personnes qui sont des moins que rien, des défavorisés ou tout ça. Et aujourd'hui, moi, je veux que tous ces regards changent. Et puis, plus tard, moi, je compte devenir un ambassadeur des personnes handicapées. Pourquoi pas en Afrique et même dans le monde s'il faut, pour pouvoir défendre la cause de toutes ces personnes-là, être la voix des sans-voix, mener des combats pour que nous soyons vraiment au même titre que tout le monde. Parce que c'est vrai, l'handicap c'est dans le monde mais pas dans la tête. Et puis perdre la vue ou même perdre un membre n'est pas une fatalité. C'est pas une fin en soi. Ok, voilà qui est bien dit. Alors, dis-moi, parce que je constate que ça fait quand même plus de 10 ans que tu es dans le mouvement. Ça veut dire que c'est maintenant que certaines personnes te dégoûtent, mais il y a longtemps que tu es dans le mouvement. C'est pour on dit l'expérience fait la différence. C'est ça même. Alors, est-ce que tu as déjà fait des grandes scènes? Est-ce qu'on t'a déjà vu sur certaines scènes? Tu as presté et tout ça? Oui, j'ai fait des premières parties au Palais de la Culture, que ce soit dans la grande salle, dans presque toutes les salles du Palais de la Culture. J'ai fait des premières parties devant des milliers de personnes. Et en 2018, comme je l'ai dit, j'ai partagé la scène avec Fally Ipupa à son concert. Parce que je suis un grand fan de Fally. C'est mon modèle, je vais dire. Et en 2016, j'ai participé à des concours de chant en Côte d'Ivoire ici, d'autres organisés par David Tavero, notre papa, d'autres organisés par des radios, des communes, tout ça. D'autres, j'ai été lauréat, d'autres aussi, j'ai terminé 3e, 2e et tout ça. Et puis, que dois-je dire encore? J'ai collaboré avec plusieurs artistes, tels que VDA, Magic Diesel. Oui. C'est quel genre de collaboration que vous avez? Je veux dire que partager des scènes avec eux. Quoi. D'accord. Alors, lors de certains spectacles, j'ai déjà aussi échangé avec notre papa de l'autre côté, Lukwa Kanza, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2014, en Côte d'Ivoire ici. D'accord, c'est super. Ça veut dire que la carrière, il y a déjà des prémices. Parce que tu partages des scènes avec Fally, avec Magic Diesel, avec même Magic Kanza System, et tout ça. Tu vois ça, il y a déjà des prémices, il y a déjà des choses qui annoncent que la carrière sera vraiment, la carrière sera vraiment, vraiment, comme on dit. Ok, c'est super. Alors, tout à l'heure, je te posais la question concernant Anita et tout, parce que, beaucoup de personnes pensent que c'était ta propre histoire, en fait. Mais est-ce que Max Müller est une amoureuse? Ça, c'est une vraie question indiscrète. C'est une vraie affaire. Est-ce que tu es une amoureuse? Ou bien tu as un cœur à prendre? Non, je n'ai pas un cœur à prendre. C'est vrai que je ne suis pas marié, mais il y a l'autre moi qui n'est pas moi qui existe. Donc tu as nous dit son nom, non? Ou bien tu pas nous Non, elle avait un bébé. Ah, attends, c'était comme les autres là. Comme vous devez s'appeler bébé. Donc tout le monde s'appelle bébé chez vous. Mais est-ce que tu as des enfants et tout ça? Non, pas d'enfants. Donc pour l'instant, on peut dire que tu es célibataire sans enfants. Travaille d'abord. Avant de faire les enfants. Non. Voilà, c'est important. C'est important. Alors, aujourd'hui, comment ça s'organise autour de toi? Parce que, comme toi-même tu as expliqué, il y a des singles qui arrivent, il y a l'album qui arrive et tout. On peut dire dans les prochaines années, c'est quoi tes ambitions pour les prochaines années? Déjà, les prochaines années, je me vois comme un artiste international.
Je me vois aussi comme des ambassadeurs avec certaines grandes structures, certaines grandes maisons, et des institutions et tout ça. Faire des grandes collaborations avec des grands noms de la musique et tout ça. Voilà. Et puis pouvoir être vendu sur toute l'international, surtout mes premiers ici. Ouais. D'accord. Donc le prochain single, là, ça sera dans la mouvement sur rumba, ou bien comme tu fais de la variété, tu vas envoyer un autre style. Ouais, sûrement ça sera un autre style pour encore démontrer toute l'étendue du talent. En fait. Voilà. Mais sans trop vouloir me dévoiler, vous risquez d'avoir une grosse collaboration. Ah bon? Ouais, je m'arrête là. Ok, d'accord. Ok. En tout cas, on est très 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 impatient. Très impatient. Tu penses quoi de tout cet environnement-là qui n'est pas propice aux personnes handicapées? Il faut dire qu'en 2017, j'ai fait un film, j'ai joué dans un film en tant qu'acteur qui représentait les personnes handicapées. Un film qui a été vendu dans le festival à l'international. Et dans le film, je dénonçais un peu, voilà, l'état des personnes handicapées. Aujourd'hui, quand vous voyez les routes, la manière dont les routes sont construites, c'est pas facile pour un handicapé de traverser. Imagine pour une personne handicapée qui décide de se déplacer et puis arriver à un feu, la personne, il n'y a rien pour lui indiquer qu'il doit pouvoir traverser ou tout ça. Vous voyez que c'est pas facile. S'il pleut, il est obligé de rester là parce qu'il n'y a personne qui va venir l'aider. Et comme la voie n'est pas accessible, il est arrêté. Tout est difficile pour lui. Aujourd'hui, moi, mon appel envers les autorités, c'est de vraiment se pencher un peu sur notre cas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est nous aussi. Voilà. Quand on parle de pays inclusif, nous tous, on en fait partie. Donc, on a besoin aussi de se sentir encadré. On a besoin de se sentir impliqué dans cette marche du pays. Voilà. Ok. Voilà qui est bien dit. Alors, Max Melo, tu penses quoi aujourd'hui de la musique ivoirienne dans son ensemble? Selon toi, est-ce qu'elle est en régression, ou elle est en progression, ou elle est en totale ébullition, en totale marche? Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, pour dire la vérité, sincèrement, monsieur Ramzi Le Daïre, moi je me vois comme un perfectionniste. Je sais que je ne suis pas forcément le meilleur chanteur face à certaines personnes de la musique. Mais ce que moi je peux dire, je pense que nos artistes ivoiriens peuvent donner mieux que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que c'est vrai, beaucoup font des efforts, mais il y a encore mieux à donner. Parce que je pense qu'au fur et à mesure que les années passent, la musique ivoirienne est en train de perdre sa valeur. Oui, avant, un album d'un artiste ivoirien pouvait se vendre sur 3 ans avant qu'on ait déguste un autre album. Mais aujourd'hui, voyez un peu, au bout de 3 mois, on n'en parle plus. Pour d'autres, même au bout de deux mois, on n'en parle plus. C'est vrai qu'on se plaint que les CD ne sont pas vendus. Mais qu'est-ce qu'on fait déjà pour pouvoir garder nos musiques dans l'esprit des gens pendant de longtemps? Donc tu veux dire qu'aujourd'hui, les artistes ivoiriens ne travaillent pas assez. Quand ils sont en studio, ils font pas sortir des œuvres vraiment de qualité pour pousser les gens à les suivre. Moi, je veux qu'on vise loin. C'est vrai, on chante pour avoir de l'argent et puis parce qu'on aime. Mais il y a deux choses dans la musique, dans le monde du showbiz qui ne collent pas. Je chante pour avoir l'argent et je chante parce que c'est ma passion. C'est très différent. Celui qui vient chanter pour de l'argent seulement, mais demain, s'il n'obtient pas ce qu'il veut avoir, ou bien une fois qu'il a obtenu ce qu'il veut, mais il fera plus d'efforts. Par contre, quelqu'un qui chante parce que c'est sa passion, il a envie de toujours montrer plus. Vous voyez, aujourd'hui, je prends un exemple sur ma personne. Moi, je ne suis même pas star. Voilà, c'est maintenant que je suis en train de faire mes premiers pas. Mais je m'assois et puis je réfléchis et dis, non, mais attends, je suis un Ivoirien, c'est vrai. Mais pourquoi ne pas oser apporter une musique un peu dans le style congolais? Parce qu'en le faisant là, moi je suis Ivoirien, en le faisant, forcément les gens, les Congolais m'ont dit déjà, ah, un Ivoirien qui arrive à le faire, vraiment c'est osé. C'est pas donné à tout le monde. Demain, je peux me lever et puis je chante un morceau en anglais. Comme je peux me lever et puis je fais un morceau afro. Ou bien je fais un morceau camerounais. C'est pour montrer encore plus de moi. Pour que je puisse avoir encore plus de fans.
Mais aujourd'hui, quand vous voyez certains artistes, sans toutefois dénoncer qui que ce soit, je respecte le talent, le travail de tout le monde. Voilà, comme je l'ai dit, je respecte le travail de tout le monde, mais tout le monde, on peut faire mieux, on peut faire plus. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui se limitent qu'à faire des trucs pour avoir l'argent. Seulement, et puis c'est fini. C'est vrai, c'est un métier, mais d'abord une passion. Bien voilà. Sûr. Pour terminer, pour dire, je veux dire que aujourd'hui, quand un artiste rentre en studio, c'est déplorable. Quand tout le monde se lève, tu n'as pas chanté mon nom, donc je ne peux pas t'aider. Finalement, les personnes qui nous aident, là, on ne peut pas finir de chanter tout le monde. Bien sûr. Et si on doit passer notre temps à chanter tout le monde, finalement, on ne fera plus de tests. Bien sûr. Donc, dans ce cas, on fait comment? Vous voyez. Ok, bien pensé. En tout cas, c'est bien dit, c'est très bien dit. Ce que tu dis là, c'est vrai, c'est profond. Il faut, voilà, pour pas que les gens se fâchent. Hein. Voilà, c'est des critiques d'un artiste aussi qui veut l'évolution du pays à travers sa musique. Voilà. Alors, parlons de musique ivoirienne, quels sont les artistes au niveau national que tu admires, pour qui tu as énormément de respect et tu te dis, bon, ceux-là, voilà des modèles à suivre? J'ai du respect pour tous les artistes ivoiriens. Des doyens, des grands frères, des vieux pères, des papas. J'ai du respect pour tous les artistes ivoiriens, sans exception. Du plus petit au plus grand. Parce que je ne me base pas sur le présent d'un artiste pour le juger, mais je regarde ce qu'il peut devenir dans le futur. Ah, tu vois sur le long terme, en fait. Voilà. D'accord. Donc, je respecte tout le monde. D'accord. Mais j'ai pour exemple, en termes d'organisation, j'ai pour exemple le groupe Magic System. Parce qu'ils sont très organisés. Ce sont des papas, des grands frères, ils sont très organisés. Et en termes de qualité vocale, franchement dit, on ne peut finir de citer, passant par mon autre papa Mewé, Gadji Sely, le père Baïs Pinto, il y a tellement d'artistes, DJ Mix, Shaolin, tout le monde. Et c'est vrai que tu allais parler de DJ Mix. Beaucoup fort, José, tout ça. Vous voyez, on ne peut finir de citer. Quels sont les artistes qui t'ont donné envie de faire la musique? Wow. Moi, déjà, depuis que j'étais petit, j'écoutais beaucoup la musique congolaise. Donc, déjà, en premier lieu, il fallait Ipupa. Qui jusqu'à aujourd'hui continue de me donner une forte inspiration. Et puis, comme en termes de qualité vocale, de façon internationale, maintenant, le groupe Magic System, comme je l'ai dit, j'aime beaucoup leur organisation. Non, tu veux dire quoi? Ils ne savent pas chanter, mais ils sont organisés, en fait. Est-ce que... Non, ils savent chanter. Pourquoi pas? Attendez, s'ils ne savent pas chanter, ils ne peuvent pas arriver là où ils sont. Non, c'est une question. On n'a pas de prix, en fait. Oui. L'œuvre d'esprit n'a pas de prix. C'est pas facile même pour un artiste s'asseoir pour composer des chansons. On fait des nuits blanches. Je t'ai dit, et puis en plus de cela, le père Salfo, c'est qui sait très bien chanter. Ouais, il est fort. Hein, il mérite son succès qu'il a aujourd'hui. Donc, c'est vrai, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, c'est une icône. C'est le truc, en fait. Voilà. D'accord. Je profite pour saluer mon ami Ange J depuis Casablanca, un gars qui a, voilà, qui est très, 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 qui a très, très bon cœur, mon fils Saïd Doumous, toute la famille. Je salue aussi mon frère Benjamin, alias Rim Mangaral, depuis le Tchad, depuis N'Djamena, hein. C'est la famille, non? On est ensemble, toujours. Voilà. Alors, Max Melo, notre entretien tire à sa fin. Voilà, je vais braquer ma caméra sur toi. Comme ça, tu vas donner ton mot de fin, tu vas parler à tes fans, et tu vas inviter toutes les personnes, à ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ont connu aujourd'hui, à te suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, tu lances un message à tout le monde. Moi, je veux dire d'abord merci à toutes les personnes qui m'ont aidé depuis le début de ma carrière, de près comme de loin. Tous les artistes qui sont déjà connus, qui ont accepté de faire des vidéos quand mon morceau est sorti, dans l'intention de me pousser. Que Dieu les aide, que Dieu les bénisse. Aussi, dis merci à tous ceux qui ont commencé à m'adopter dans leur cœur. Moi, je ne dirais pas mes fans, mais je dirais ma famille. Parce que aujourd'hui, une personne qui aime ton morceau n'est pas forcément ton fan, mais parce qu'il veut ta progression, qu'il t'aime. Voilà. Donc, je demande à tout le monde de continuer à me suivre. Et puis, pour mes grands frères et vieux pères artistes, mes collègues artistes, à qui j'ai pu dire que je sens qu'on peut donner mieux, c'était dans l'intention de dire que faudrait pas être une bougie pour éclairer les autres et s'éteindre soi-même. Donc c'est vrai, on a déjà fait la musique, mais si on veut écouter tous les préjugés autour pour pouvoir chanter, on finira par ne plus
pouvoir avancer. Mm-hmm. Donc, faisons ce qu'on a choisi, ce qu'on aime tant. Mm-hmm. Et puis, oublions les préjugés. Mm-hmm. Voilà. Et puis, je demande à tout le monde de continuer à me suivre sur mes pages Instagram, mm-hmm. Facebook, YouTube, en tapant Max Melo, parce que plusieurs choses sont encore en cours. Max Melo, c'est M-A-X, espace M-E-L-O. Voilà. Le numéro du manager aussi. Mm-hmm. Voilà. Donne le numéro, donne, dans les parfois, c'est comme ça. Pour pouvoir nous joindre, c'est le 07 mm-hmm. 69 36 33. Elphazo Pascal. Mm-hmm. Voilà, pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui ne le connaissent pas aussi, voilà, c'est ça, le 07 mm-hmm. 69 36 33. Mm-hmm. Quand vous allez aller sur les différentes pages, vous verrez son numéro. Mais lui aussi, il voyage trop. Souvent, il voyage, on l'appelle, mais ça ne passe pas. Ouais, c'est un gars, aussi comme toi. Ah, on l'appelle, ça ne passe pas. Il voyage là-bas, bon, on ne comprend pas. Donc, ça passe tous les jours, on peut le joindre. Oui, ça passe très vite. Ok, ok, ok. En tout cas, merci beaucoup, Max Melo, d'avoir accepté de passer à l'émission Fafa. Franchement, dis-moi, je suis très ému parce que j'aime beaucoup ce que tu fais. Moi, je te suis depuis très, 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 je te connais à très longtemps. Je vais même t'expliquer certains mouvements donc, que toi-même tu as oublié. D'accord. Mais c'est la famille, on est ensemble. Et franchement, dis, j'aimerais vraiment entendre ta douce voix, ta voix qui transperce. Parce que tu as une voix très propre et très forte. Fais-nous un acapella pour les téléspectateurs, pour les internautes, pour tout le monde qui nous regarde actuellement. J'aime bien Anita, elle est belle et élégante. Dans ma tête, ça peut marcher, donc je me bats pour la convaincre. Mais pour elle, c'est le contraire. Elle se bat pour s'éloigner, parce qu'elle dit je suis pas son genre. Elle ne veut pas de moi. Elle adore les gars stylés. Elle adore les gars qui ont le blé. Elle adore les gars fashion. Elle m'a dit je suis pas de sa classe. Oh, oh légendaire Didier Drogba. Oh, Anita, je t'en prie. Ma voix, Anita, s'il te plaît. Oh, Elphazo Pascal. Eh. J'aime ça. Merci à toutes ces personnes, de près ou de loin, qui m'apportent le soutien. Oui, si aujourd'hui on parle de Max Melo, c'est grâce à vous, mélomanes, que Dieu vous bénisse. Ramzi le dangereux, merci de m'avoir accepté. Ivoire TV Musical, que Dieu vous bénisse. Max Melo, l'étoile montante. Super, mesdames et messieurs, on est avec Max Melo, l'émission Fafa, toujours. Vous voyez un peu, non? Le dangereux, c'est la famille, voilà. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent, qui nous envoient des messages sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne. Vous aviez Soko Soko et William Santiago derrière la caméra. Roland Le Bengui, c'est le réalisateur de cette émission. Vous avez Abou Bakayoko à la programmation. Vous avez aussi celui qu'on appelle ES Mardoché à la post-production. On est ensemble, c'est la famille. Je salue toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Voilà, en tout cas, c'est la famille, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Fafa, toujours. Ciao.